Nous vous invitons officiellement à venir découvrir notre projet secret. Mais il faut venir très vite et nous apporter absolument le tuyau de carburant de cet avion. Sans lui, le projet n'existerait pas. Dépêchez-vous. Nous n'attendrons pas éternellement. Voici votre tuyau de carburant. Merci! Et maintenant, préparez votre petit cerveau, Crane. Vous allez découvrir notre plan. Et votre cerveau va exploser! D'accord, c'est bon, finissez-en. Préparez-vous à être émerveillé. Nous avons fabriqué un wagon-fusée! Une fusée motive! Un turbo-train! Un jet sur rail! Nous avons trois places! Et nous allons traverser la barricade dans le tunnel. Jusqu'à l'autre côté! Et vous nous accompagnerez. Vous allez utiliser le train comme un bélier? Avec vous dedans, sérieusement? Notre plan est infaillible! Tu vois, Fatine, son intellect limité ne peut appréhender notre idée. Bien sûr! Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Dans ce cas, regardez notre œuvre, primate, et pleurez, parce que vous n'aurez pas de seconde chance. En effet, vous n'en aurez pas. En effet, parce que vous n'y survivrez pas. Homme de peu de foi. Et de peu d'esprit. Ah, tenez, prenez ce dispositif de piratage. On n'en aura plus besoin. Peut-être trouverez-vous les coffres que nous avons jetés depuis notre avion avant le crash. Avec le dispositif de repérage et ça, vous devriez pouvoir les ouvrir sans peine. Dans ces coffres, vous découvrirez notre génie dans toute sa splendeur. Si vous pouvez le comprendre, ce dont je doute. Adieu, Crane. Et n'oubliez pas de vous mettre à l'abri s'il se met à pleuvoir. Tu es prêt, Olga? 3, 2, 1, allumage! Putain! Fatine! Olga! Répondez! Vous êtes en vie? Et merde. Reposez en paix, les gars.